Si vous désirez quelques minutes de silence et de prier, ça nous manque souvent, le silence et la méditation. À tous vos défunts, quel qu'il soit, où qu'il soit, n'importe quelle ville et village, nous souhaitons, nous demandons le repos éternel, le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Et à vous tous, le courage, l'espoir de ne pas avoir le désespoir ni le découragement. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. C'est le chemin de tout le monde, mais il ne faut pas avoir peur. Le chrétien ne doit pas avoir peur, ni de la mort, ni quand il est vivant. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Franchement, je vous remercie pour votre accompagnement ici jusqu'à ici. La prière à la messe. Si vous désirez, si vous souhaitez retourner au couvent, recevoir un café, vous pouvez, mais sans être obligé. Mais pas trop de familiarité, après un café, chacun chez soi. Je sais, tout le monde est épuisé. Je vous remercie pour votre gentillesse et pour votre compréhension. C'est la première fois que je viens et je suis bien heureuse. La première fois que vous venez, vous êtes heureuse, vous êtes brave, vous êtes brave, je vous en prie, Paulette, vous êtes très brave. Toutes les Paulettes sont braves, c'est vrai. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Allons dans la paix du Christ. Voilà, nous allons maintenant chez les voitures. Je crois qu'il y a un gardien. On a laissé Bernard là-bas. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me conduire? Quelqu'un vous conduire, bien sûr, oui. Oui, oui. Où ça? À la Louvière. Jésus va trouver quelqu'un, certainement. Certainement. Il y a aussi, je crois, Vincent, du chocolat. On va leur donner là-bas. Là. Donner là-bas du chocolat aussi. Non, merci. On va au couvent, on va le donner là-bas. Alors, hein. Pourquoi au couvent? Nous, là, chez des voitures, c'est mieux. Hein. Père, on peut conduire la dame là. Ah, eh bien, voilà un jeune homme brave. Avec, ils vont vous conduire. Voilà, Jésus a arrangé déjà. Oh, loué soit Jésus-Christ. Amen. Alors, Itza, nous prions pour vous, n'ayez pas peur. Voilà, merci, je vous en prie. Merci. Père, à dimanche. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, délivrez-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix et la santé à nous tous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta. Mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jésus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Pater, quia peccati nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ile oprico, Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michael Arcangelum, Beatum Ioannem Battistam, Santos Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Santos et Pater, ora et pro me ad Dominum Deum nostrum. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Dominus vobiscum. Oremus, prions pour les âmes du purgatoire, pour tous les défunts et pour notre sœur dans le Christ, sa délivrance. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Savez-vous pourquoi nous prions ici? C'est simple, il ne faut jamais oublier le bienfait. Quelqu'un qui a fait un bien à vous, même s'il devient votre ennemi, il faut l'aimer. Il ne faut jamais oublier. Deuxième chose, c'est la fidélité. Nous devons être fidèles avec une fidélité totale à notre engagement, à la personne qui nous a aidés. Il ne faut jamais oublier. Oublier le bien, c'est l'ingratitude. Mais il faut oublier le mal. Cette défunte ici, elle était fidèle. Elle était une femme formidable. Généreuse, noble. D'ailleurs, son nom était Clotilde. C'est Sainte Clotilde qui a converti son mari, le roi des Francs, Clovis. Alors nous prions pour cette supérieure générale, Sœur Marie Clotilde, pour son âme, et grâce à elle, qui doit sauver aussi beaucoup d'autres, nous remercions sa fidélité, sa gentillesse, ses bienfaits. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Voilà, je vous remercie. Allons dans la paix de Christ. Amen. Fouche Bachelomo. Merci. Voilà, merci.